Hey. Si il y a bien une chose qui est sûre, c'est que je suis une tête de mule. Et je veux réussir ce jeu. Pour le moment, ça fait 3 fois que je me loupe. Une fois parce que j'ai pas compris que je devais mettre le nom du démon sur le corps. 2 fois parce que je me suis planté de corps. Donc, cette fois-ci, on se concentre. On n'essaie pas d'aller trop vite. Toute façon, pour les sigils, j'ai déjà développé la technique. Donc, reste plus qu'à comprendre comment ça marche pour savoir exactement quel corps elles vont. Et ça ira comme sur des roulettes. Sinon, je vais tout casser. Alors, je vais prendre ça. Hop, je vais d'abord ouvrir les deux portes. Alors, on commence par celui du fond, qui s'appelle Fabiola Cooper. Bonjour madame. Je vais vous embaumer et vous prier de me dire si vous êtes un démon. Parce que ça commence à bien faire les conneries. Tac tac. J'ai besoin de ça. 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 Non. De ça. Non, allez. Je vais y arriver. Ça. Ça c'est un grand truc, donc je pourrais pas. Donc, d'abord. Bonjour. Pourquoi tu tires la langue? Pardon? J'ai pas compris ce que t'as dit. Mais c'est pas une raison pour tirer la langue. Ça me dégoûte un peu. Bon. On a donc une première interaction avec ce corps qui m'a parlé avec une voix passablement démoniaque. Serait pas déconnant de se dire que ça pourrait être un corps possédé par un démon. Mais méfions-nous. Là, vraiment, on a tout trouvé. Donc, record système, c'est Fabiola Cooper. Elle avait 21 ans, c'est jeune pour mourir. Hop. Voilà. Sa tête, il n'y avait rien. Kérastase à l'épaule droite, rien à l'épaule gauche. Contusion au bras droit. Des abrasions au bras gauche, kérastase à la jambe droite et contusion à la jambe gauche. Voilà. Et je vais déjà embarquer un petit papier comme ça. Alors, est-ce que le fait que ce corps m'ait adressé la parole avec une voix passablement démoniaque? Oui, c'est suffisant. J'allais dire suffisant pour faire apparaître un sigil. Non. Alors, c'est un...
Genre de gros N avec un petit L en dessous. Alors, le gros N petit L, ça pourrait être ça. Je crois que c'est celui-là. Tac, tac, tac. Ok, donc, on a le premier. J'imagine qu'on n'en aura pas d'autres pour le moment. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir la paix 2 minutes. Hop, je vais t'apprendre à dire des conneries. Non, tu seras bien obligé de la fermer. Hop. 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 Il me faut un tube. Alors. Comment on va faire un petit tour parce que. Il y a un toc-toc. Et la porte derrière moi s'est fermée. Non, ça n'a pas l'air de suffire. C'est d'abord le ménage? Ah oui, c'est d'abord le ménage. I can't hold anything else. Eh oui, je me suis trompée, pardon. On drop ça. De toute façon, j'ai tapé par terre, c'est pas grave. Hop. Tac, alors. Je suis censée aller voir ce truc? Ah, bah, j'ai pas envie, du coup. Je peux pas fermer. Bon. Quoi? D'accord, tu t'es enfui. Eh ben, c'est quoi? Amuse-toi bien, là-bas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc qui s'était rajouté. Moi, j'ai des trucs à faire. Pas mal les hides. Le réagent de mon cul là. Et le dernier. Il me manque toujours un. L'humectant. L'humectant, c'est celui-là. Voilà. C'est dégueulasse. Hop. J'ai pas ramassé mes tubes. Pardon, je vais te laisser la gorge ouverte pendant quelques secondes. Hop. Voilà, ton petit tube. Je lance ça et je vais faire mon petit tour de piste. Là. C'est un L avec un point. Le L point, il est là. Hop, je reprends l'autre. Et on avance. Là, alors, on retire ça. On referme ça. On va maintenant te remplir le bide. D'un liquide que j'ai toujours pas très bien déterminé ce que c'est là. Hop.
Là. Et elle a bougé. Bon, c'est le deuxième truc que ce cadavre fait. D'abord, elle m'a parlé, maintenant elle a bougé. Je retiens ça, madame. Je me méfie de toi. Je te soupçonne d'être légèrement possédée. Je sais toujours pas à quoi ça me sert de faire ça, mais... C'est censé me dire à quel point je suis proche de la possession. Alors, est-ce que son petit soubresaut de merde suffit à me faire avoir quelque chose? Alors, je sais pas, mais le petit rire là, j'aime pas trop. Cessez de me raconter vos vies. Je m'en fous en fait. Moi j'ai un travail. Hop. Voilà, t'es toute propre. T'es toute propre et potentiellement possédée. Je te retiens, madame. Fabiola Cooper, et tu ne t'es pas tenue tranquille pendant ton embaumement. Attends, t'es qui toi? Ah merde, j'ai pas de lire. Attends, toi tu es Toby Laron. Toby, sache. Est-ce que c'est toi qui chante, Toby? Si c'est le cas, j'aimerais que tu cesses. Non. Hop. Mais non. Je ferme mes tiroirs. Tac. Bon. Je commence à faire un tour parce que les petits champs et les machins du genre, je trouve que ça fait très démoniaque. T'inquiète pas, Toby, j'arrive. Tout va bien, Toby, on n'a pas de sigil. Par contre, tu as des marques dégueulasses sur la tronche. Non, cette marque-là, je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un tatouage? Deux tatouages. Bon, faut retenir que Toby, il a des tatouages chelous. Sont-ce des tatouages démoniaques? On sait pas. There we go. Bah oui, mais non. Fais pas ça. Allez, Toby Laron. Il avait 35 ans et il a un pote qui est venu le voir. Et il aurait pu s'abstenir. Pardon, je me suis trompé de genre.
1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Il manque des trucs là. Right arm, je l'ai mis. Left arm, je l'ai pas mis. Left shoulder, je l'ai pas mis. Right shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a tout. Bon, est-ce que le pote à Toby est toujours là? Actuellement, il n'a pas l'air. Visiblement, ils sont pas trop décidés à montrer les sigils. Est-ce qu'il a toujours ses tatouages? Oui. Bon, Toby reste bien tranquille. Je vais te clouer le bec. Comme t'es mort, ça devrait pas être douloureux. Si ça l'est, pose-toi les bonnes questions. There we go. Mais un peu mal à l'aise, celui-là. Ah oui, non, j'oublie les yeux. Pardon, Toby, j'ai oublié de te fermer les yeux. Right. Hop, humectant, c'est bon. Formaldéhyde. Butyraldéhyde. Méthanol. I already have one of those. Qu'est-ce que vous faites à ma fenêtre? Cassez-vous. On va pas foutre sa gueule comme ça à la fenêtre des gens, ça se fait pas. Par contre, faites pas bugger mon tube, hein, parce que... Il y a un de vos collègues qui m'a fait ça, j'ai pas apprécié. Merci, c'est sympathique. Alors, petit tour de piste. Visiblement, les sigils sont quelque peu similaires d'aujourd'hui. Hop, on referme ça. On va te remplir le ventre. Bon. Tu m'as quand même l'air plus calme que Fabiola, hein. Même si t'as des tatouages. Mais bon. C'est important de se dire que tatouage ne veut pas dire démon. Parce que sinon, j'en suis un sacré, moi. There we go. Non, j'ai pas envie de décrocher. Téléphone, on m'a dit de pas faire confiance. Donc j'écroche pas. Non, ça par contre j'aime pas. Eh merde. C'est quoi? C'est parce que j'ai pas décroché? Je l'ai vexé. Il veut rapporter quelqu'un qui a disparu qui a un problème de drogue. Becca! Becca! Oh.
No, don't. Baby, no. Just right up there. I'm coming back. I'm coming right back. J'aime pas trop son vision. Hey! Hey, I found her! Down here! D'accord. Il s'est passé des trucs étranges hein, dans la vie de cette meuf. Après, je pense que si c'était pas le cas, elle aurait peut-être pas voulu devenir légiste, hein, mais... Bon. Mais le gars, ça mérite bien un sigil, quand même. Même pas. Ah si, quand même. Ok. Voilà. Toi, tu es un genre de jet stylisé. Toi. Allez, nous en manque plus qu'un. Ah. I can't use that here. Ah, je sais pas si c'est proche. Tac, 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 tac. Te voilà tout propre. Bon, toi pour le moment... C'est pas ça que je vais faire. Tu m'as semblé plutôt calme. Bon, sauf que là, tu parles. Donc maintenant, je sais plus lequel de vous deux est le plus susceptible d'être un démon, parce que vous avez parlé tous les deux. Mais toi, t'as un tatouage. Allez. Étranger, on verra plus tard. On en finit avec Herbert Molina. Ah non, mais avec lui avec un nom pareil, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit devenu un démon, hein. Tu peux pas bien finir dans la vie avec un nom pareil. Qui voudrait s'appeler Herbert? Je pense que n'importe quel Herbert a des prédispositions à rejoindre un culte satanique, hein. N'est-ce pas, monsieur? Bah, par contre, tu t'es battu avec un tigre, toi? T'as des griffures partout. Ah, je sais pas attraper l'autre côté. J'ai des trop petits bras, voyez-vous. Hop. C'est drôle de marque aussi, toi. T'as rien. Pas non plus. There we go. Je déteste quand on veut mettre dans le noir. Je veux pas être dans le noir. Bon. Herbert. T'avais 53 ans. En tant qu'aîné de la bande, t'es prié de montrer l'exemple. Et d'être sage.
Elle était dans le couloir, c'est ça. Bah, super. Soulise, hein, j'apprécie moyennement qu'on me clappe des lampes à la gueule. On est où avec notre dessin? Bon, ça se précise. Oh, j'ai peur. Pourtant, c'est une musique toute douce, hein. Y a pas de raison d'avoir peur, mais j'ai peur quand même. Et semblerait-il, mon alerte ne veut pas se mettre. Donc, merci à la personne qui m'a follow, mais normalement, j'ai un petit chat qui danse et là, il a pas voulu venir. Je pense que c'est parce qu'il apprécie pas le nom de ce gars. Lui-même s'est dit, non, pour Herbert, je me déplace pas. Dana Clem. Le chat, je le vois, donc là j'ai un nom. Bienvenue. There we go. Ça refait encore plus peur le petit chat qui danse. Bon, nous, il est relativement sympathique. Eh merde! Non, mais je le reconnais, ce poète. Ce poète, ça veut dire qu'on veut pas me laisser faire mon travail parce qu'on veut me faire peur. J'y tiens pas plus que ça. Oh! Ah, je t'ai vu. Oh oui, je suis terrifiée. Vas-y, je peux bosser maintenant? Merci. Hop, hop, hop. Right. Alors, on va remplir ce machin. Tac, tac, tac. Nous sommes quelqu'un de très professionnel, nous n'avons même plus besoin de regarder les notes. C'est lequel que j'ai mis. Tac, formaldéhyde. Méthanol. Le reagent anti-démon qu'on aime. Hop. Voilà. Il me faut un tube. Alors Herbert, je compte sur toi. Tu fais pas bugger le tube. Merci. Bon. Herbert, je te laisse le temps de trouver le dernier sigil. Je te fais confiance, tu fais pas de conneries tant que je suis partie. T'arraches pas ton tube. Alors je sais pas qui parle dehors, mais moi je suis occupée à l'intérieur. Bon. Malheureusement, nous n'avons pas notre sigil. Du coup, Herbert, on va te remplir le ventre. Bon, en tout cas, pour le moment, Herbert, c'est le plus calme des trois. Je reste sur le fait que Fabiola était la plus agitée. Même si finalement, autant Fabiola que Timéo, là j'ai oublié son nom, m'ont parlé. Il y a la trappe d'une cave qui est apparue. Rebecca. Non. Non Raymond, Rebecca est occupée. On lui fout la paix, Rebecca. Non. Faut que je nettoie ma machine. Non. Rebecca est en pause clope. Rebecca, come down here. Oui, il faut pas regarder ça en mangeant. Non, je descends pas. J'ai pas envie.
Je n'ai pas envie de te voir, Raymond. Je veux nettoyer ma machine. Raymond, tu fais chier. Va y avoir des bactéries dans la machine. Ouais, je sais, tu veux que je vienne. Mais... Alors, est-ce que tu as une autorisation communale pour faire des travaux d'architecture là-dedans? Parce que j'en suis pas convaincu, hein. So, little Raymond thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin. Ouais, non, mais... Pff, sachez que j'étais pas tellement volontaire, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? D'accord. Il y a des gens bizarres ici. J'aime pas trop votre fête, les gars. Alors, m'en voulez pas, mais... Ah, putain. Moi, je serais d'avis de vous laisser vous amuser ensemble. Et vous me laissez aller nettoyer ma machine. Et vous invitez quelqu'un d'autre. Je dois faire quoi? Bon les gars, Raymond il est pas là. Alors, je suis désolé, il m'a pas briefé sur qu'est-ce que vous me voulez. Bon, tu fais quoi? Shut up là? Coucou. Tu veux que j'ouvre ta bouche? Je ne vais pas dire ce que ça me donne comme idée. C'est dégueulasse. Ah! T'as mangé une clé. Ok. Bah écoute, chacun ses goûts alimentaires. Ok. Je sens pas trop, lui. Eh, je le connais, ce symbole. D'accord. Donc Rebecca est un vampire, elle a fait boire son sang à son père pour qu'il devienne vampire à son tour, c'est ça? Quoi? Tu veux que j'aille regarder la tombe? Tu vas me pousser dans la tombe? David Winslow, décembre 1949, mai 1983. Mort et oublié. Oh, c'est mignon. Allez, au revoir. Je peux aller nettoyer ma machine maintenant? S'il vous plaît. Eh merde. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas tant que tu me balances pas un screamer à la gueule. Mais c'était là ça en fait. Je peux pas y retourner. Non. C'est pourquoi je vais y retourner, j'en sais rien, mais. Donc en fait. Herbert a juste déplacé des objets architecturaux. Là encore, je suis pas sûr qu'il ait eu un accord communal, hein. Voilà. Moi, pendant ce temps, permettez, je nettoie ma machine. Et j'ai mon dernier sigil. Quoi, mais non, je... Comment ça, je suis trop tard? Quelle porte est ouverte? Il est là. Ça, c'est... Double T, deux bouboules. Donc double T, deux bouboules. Bon, c'est là que ça devient compliqué parce que j'ai pas une bonne mémoire à court terme. J'ai donc un espèce de N un peu stylisé. N, L, G, double T.
Hop. Ah oui, merde. Excusez-moi, j'ai oublié de reprendre le mot de passe. Non, 39. Oui, dis-moi. Quoi par là? Mais non, attends, je suis occupée là. Ouais, sauf que du coup, j'ai réoublié les trucs. Donc, j'avais le N qui est là, le L, le double T, c'est ça. Donc c'est N, L, double T, G. C'est Anek. N, L, double T, G. N, L... Ah, oh, j'étais presque. Double T, G. Hop, on prend la marque. Bon. Mais ça me rassure pas que tu me dises que c'est trop tard, parce que... T'as l'air... Sure, non, j'en suis pas sûre. À chaque fois, je perds parce que je me plante. Donc non, je suis pas plus sûre que c'est lui que je suis sûre que c'est les autres. C'est lui qui me paraissait le moins risqué. Mais par contre, cet event-là, je le connais. Donc, je vais courir jusqu'à un mur. Où il y aura une madame. Voilà, bonjour madame. Tu vas t'enfuir vers le mur. Je vais me retourner, il y aura un mur. Je vais me retourner, il y aura un mur. Je vais me retourner et bouh! Voilà. C'est là qu'on voit que je commence à le connaître, ce jeu. Bon. Je pense vraiment pas que c'est celui-là. J'ai quand même achevé de l'embaumer correctement. Il est trop... Hop! Mais ça y est, mais maintenant c'est lui qui va faire le plus d'interactions. Merde, c'est vraiment lui? Oh, mais allez, ça prête la confusion à crever, je vais encore perdre. Attends, je vais lire ma documentation parce que je comprends rien moi. C'est toi qui avais le moins interagi. Alors, identifier une possession démoniaque. Tout corps peut être manipulé, c'est beaucoup plus facile. De manipuler son propre corps, des mouvements soudains, un large sourire peuvent être des signes de possession. Si le corps apparaît comme plus actif que les autres ou que d'étranges marques commencent à apparaître, ça peut être un signe de possession démoniaque. Mais il peut faire sur d'autres corps. C'est pourquoi il est important de prendre note de quel corps a expérimenté ces événements. Celui qui a le plus d'événements liés est sans doute celui qui a été choisi. L'apparition de nouvelles marques sur le corps, des mouvements, un large sourire, des mouvements répétés. Quand une entité démoniaque est présente, le vaisseau occupé peut avoir des marques qui n'étaient pas précédemment présentes. Mais ça, c'est le truc où je m'étais fait avoir hier. Où il y avait des marques sur personne. Il y avait un espèce de sceau qui s'était rajouté sur le front du dernier. Genre, et vous m'a fait tomber ma marque? Pas autre chose. I'm missing something. Non mais attendez, j'ai un problème là. Il s'est tordu dans tous les sens et il n'y a plus la marque. Je suis censé la retrouver.
Normalement, je suis censé pouvoir l'examiner à nouveau. Putain, elle est où la marque? Mais merde! Ça veut dire que je... Oula! D'accord. Oui, quoi? Non, j'ai pas sursauté. Personne n'a la preuve que j'ai sursauté. Oui, peut-être que j'ai été enregistré en vidéo. Ça me suffit pas comme preuve. Moi, je le dis, j'ai pas sursauté. Je me sens très bien. J'ai pas du tout oublié de ramasser les cassettes et tout le reste. Bon, ma marque, elle est où? Bon, écoute, tant pis, Hubert, hein, Non, j'en suis pas sûre, parce qu'à chaque fois, je pense que c'est le bon et c'est pas le bon, et en plus, t'as mangé la marque. Donc, attends, je vais refaire un petit tour. C'est à la base, je soupçonnais, toi. Bon, cette musique qui insiste de plus en plus m'inquiète. Est-ce que je vais me faire attaquer? Pourquoi il a plus la marque sur lui? Bon, tant pis. Go. Si je perds encore, je vais être de très mauvaise humeur. Mais moi, faut que je retourne à la pharmacie. Chercher de quoi mieux nourrir mon petit chat. Parce qu'elle est malade, elle est toute maigre. Et il lui faut de la pâtée ultra calorique. Où elle est? Elle est là. Est-ce que j'ai encore raté? À mon avis, oui. Attends, celui-là, il s'est tordu. Celui-là, il a parlé deux fois. J'ai réussi? We'll do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can. J'ai réussi? These entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it, or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone, but choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. Ah, donc tu sacrifies souvent des gens, en fait. C'est charmant. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back.
c'est une fin? Ça veut dire que j'ai la bonne fin? Je savais pas s'il y avait d'office plusieurs nuits pour genre réussir le jeu, ou s'il fallait juste en réussir une. Bon, définitivement, le skip, j'y ai pas accès. Hein. Ah, j'y crois pas, j'ai réussi! Bon, après, toujours que la quatrième fois, donc c'est pas non plus comme si j'y avais passé des dizaines d'essais. Il est cool ce jeu! Je trouve plus cool quand je gagne. J'aime bien la musique, elle est jolie. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Elle fait dodo. Bon, c'est sans doute déjà le bon moment pour dire de ne pas hésiter à passer faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Sur YouTube, il y a les rediffs de tous les jeux auxquels je joue. Il n'y a pas que des jeux comme celui-ci, je fais des jeux d'horreur, mais je fais aussi des jeux narratifs, je fais des jeux de plateforme, je fais des jeux... j'ai oublié ce que j'ai dit. De chasse aux fantômes, des jeux de survie, je fais des jeux en duo avec mon amoureux, je fais plein de trucs. Et sur TikTok, il y a un extrait tous les jeux, tous les jours. Et j'ai eu la fin 1 sur 5. Cool. J'ai gagné. Je suis joie. Ouais, donc TikTok, un extrait tous les jours de 45 secondes environ, des moments sympas parce que je râle, parce que je rage, parce que j'ai peur, parce que je dis des conneries, parce que plein de trucs. Et voilà, si le contenu plaît, il faut pas hésiter à me suivre, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Et je ne sais pas, Dana Clem, si tu es toujours là. Mais si c'est le cas, je te félicite d'avoir réussi à être présente la fois où j'ai gagné. Parce que finalement, c'était la meilleure fois. Yeah! Bah écoute, tu m'as porté chance. Donc, quatrième partie, j'ai été possédée 3 fois, j'ai banni 1 démon, j'ai embaumé 12 corps, j'ai brûlé 4 corps, dont 2 corps innocents, et un corps où c'était le bon, mais j'avais oublié de mettre son nom. Je suis curieuse quand même de savoir c'est quoi les 3 autres fins. Mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je vais me casser la tête à essayer de trouver, parce que voilà. J'ai déjà fait quelques fois. Et là, c'est le moment où j'enchaîne vite pour qu'on ne voit pas que je n'arrive pas à avoir mes raccourcis pour faire mes écrans de fin directement. Merci Dana Clem pour ton passage et ton soutien et de m'avoir porté chance. Comme je l'ai dit, il ne faut pas hésiter à passer sur ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok. C'est pareil que ma chaîne Twitch, c'est Phantom Ailis. Et moi, je vais me mettre en route pour aller acheter de la pâtée hypercalorique pour mon bébé chat. Et voilà, une bonne soirée. Bye bye.